Amis des trains, bonjour et bienvenue sur le site letraindemanu.fr. Aujourd'hui, je vous propose une rétrospective sur l'exposition de modélisme ferroviaire de Saint-Mandé. En ce début d'année, le Saint-Mandé Club Ferroviaire organisait son traditionnel salon du train miniature. Une trentaine d'exposants économiques et institutionnels étaient présents et une petite vingtaine de réseaux étaient proposés dans les salons de l'hôtel de ville de Saint-Mandé. Contrairement aux années passées, la municipalité avait laissé en place les décorations des fêtes dans l'entrée de la mairie, permettant un accueil des visiteurs dans une belle ambiance chaleureuse. Sans plus attendre, je vous propose un panorama des réseaux qui ont retenu mon attention lors de cette belle édition 2024. Nous commençons par la gare de l'Arbrel, réseau en N, œuvre de Marcel Segal. Curieusement, alors que le SMCF se targue de n'exposer que des réalisations qui n'ont jamais été présentées à Saint-Mandé par le passé, ce réseau était déjà proposé l'année dernière au public. Ce réseau, de 12 par 4 mètres, est composé de 7 modules. L'auteur a reproduit la gare réelle, située en région Rhône-Alpes, et ses environs immédiats. La gare de l'Arbrel est une gare de jonction en Y entre une ligne de TER et une ligne de tram-train. Tous les bâtiments sont de fabrication personnelle et sont des reproductions de bâtisses réelles. Un bel exploit. Vu sa taille, ce réseau est propice à la circulation de longues compositions. Malheureusement, lors de mon passage, peu de trains y circulaient. Changement d'échelle avec Martial Letourneau, qui nous transportait dans le sud de la France à l'échelle Z. À travers cette œuvre au 1/220e, l'auteur démontre qu'une petite surface n'est pas incompatible avec la pratique du modélisme ferroviaire. Ce petit réseau au tracé classique en ovale, dont le retour est masqué par un diviseur scénique, n'en comporte pas moins une gare rurale, sa halle à marchandises, son annexe traction et son passage à niveau. Le village en fond de décor, à l'architecture typiquement méditerranéenne, est sobre mais complet et nous invite dans une belle région ensoleillée. Une jolie réalisation. Pierre Bouvier et Étienne Chelminiac proposaient une évocation de la gare de Vevey-sur-Ouche et du viaduc de la Bussière-sur-Ouche, en région Côte d'Or. Cette petite transposition, en H.O. sous forme de deux modules, était particulièrement sobre mais réellement soignée. Là encore, les auteurs prouvent que le modélisme ferroviaire peut se pratiquer sur de petites surfaces. Un très bel écrin pour mettre en valeur le matériel roulant. Romagnac est un ensemble modulaire collaboratif traité à l'échelle N. Il évoque différents sites de la ligne du Sel à Clermont-Ferrand et de celle de Bourges à Miécase. Ce réseau en perpétuelle évolution était proposé avec les modules EP de Pontfarget, la Muse et la gare de Mialet-le-Lac. Si l'embranchement est d'inspiration libre, la Muse est un site réel. Le village de Mialet existe réellement et a été partiellement englouti lors de la construction d'un barrage. Mention spéciale pour le fond de décor peint par Justine Louvet. Une belle réalisation collective que vous serez amené à retrouver à l'avenir puisque de nouveaux modules sont en cours de construction.
Le club ferroviaire d'Ozoir-la-Ferrière nous présentait un petit réseau à voie étroite ou un 87e. Ce module au tracé très simple en forme de 8 est, là encore, la preuve que le modélisme ferroviaire peut se pratiquer sur une petite surface. La Nativité est un diorama à l'échelle 1/87 réalisé par le modéliste belge Patrice Asbo. Il a été conçu sur la base d'un calendrier de l'Avent de chez Nock et comprend plus de 80 personnages. Certains d'entre eux sont en papier et carton fabriqués par le Rail Club de Meaux. Un diorama original. Le réseau de la Modère est une œuvre familiale au 1/87 réalisée par Hubert et Laurent Bertrand. Le tracé de cette imposante construction modulaire est assez simple, puisqu'il s'agit d'un tracé en os de chien, complété de voies de stockage derrière le fond de décor. Ce qui fait l'originalité de ce réseau est son décor d'inspiration nord-alsacienne et ses très nombreux bâtiments en construction intégrale, inspirés de bâtisses réelles. C'est un travail magistral. Œuvre de Benoît Evelin, The Barge Job est un réseau industriel nord-américain, traité au 1/160 et s'inspirant de sites réels. Malheureusement, lors de mon passage, aucun train n'y circulait. Dommage, d'autant que l'exploitation est initialement prévue par carte wagon. Waldberg est un réseau à l'échelle N. Sébastien Mass, son concepteur, s'est inspiré de l'Allemagne de l'Ouest pour le décor et les circulations. C'est un réseau simple avec son tracé bouclé, mais au décor soigné. Là encore, une réalisation qui prouve que le modélisme ferroviaire n'a pas forcément besoin de beaucoup de place pour se faire plaisir. L'association des modélistes ferroviaires indépendants était présente avec un réseau à l'échelle N et à la norme Tetrac. Malheureusement, la présence de plexiglas ne permettait pas de belles prises de vue. On y voyait plus le reflet du vidéaste que les trains circulant sur le réseau. Dommage.
PM78 est une réalisation au 87e par Ludovic Di Pasquale. Cet ensemble représente une double voie au décor très soigné. La caténaire est particulièrement fine. Une jolie réalisation. La maréchaussée, affairée à verbaliser un automobiliste, aurait sans doute été plus utile à sécuriser le passage à niveau qui présentait des ratés de fermeture. Cette anecdote mise à part, cet ensemble n'en restait pas moins d'une grande qualité. Retour à l'échelle Z avec des modules zéniques présentés par Tristan Noroy et Claudio Federico. Ce sont des modules inspirés du système module zénique pratiqué à l'échelle N, mais adaptés à une norme allemande. Le résultat est plutôt plaisant et met en valeur l'échelle lancée par Marklin en 1972. Si, au départ, cette échelle ne proposait que du matériel germanique, les adeptes du 1/220e disposent désormais d'un choix de matériel français grâce à Hazard Model. Né en 2021, cette enseigne propose en effet une vingtaine d'engins moteurs analogiques et numériques, une trentaine de références de wagons et quelques voitures typiquement hexagonales. Des TGV sont prévus comme nouveauté 2024. Une campagne de précommande sur la plateforme Ulule est en cours. L'échelle Z est particulièrement adaptée à la circulation de ces longs rames. MZ Train Chanel présentait au public des petits réseaux de démonstration à l'échelle Z avec commande numérique. Des modules de freinage Lens permettent des arrêts et départs progressifs du plus bel effet, avec des décodeurs qui permettent le réglage de ces paramètres sur chaque locomotive. Anecdotique mais surprenant est ce petit réseau à l'échelle du 1/450e. L'échelle T est une échelle développée par Kaka et Shindo au Japon. Après la minuscule échelle T, retour vers des échelles plus conventionnelles. Très présente dans nos expositions, l'escadrille Saint-Michel proposait un réseau à l'échelle 0 en voie étroite, titré « Bois donc un coup ». Si cette œuvre est, comme d'habitude, d'une grande qualité, j'ai toutefois été un peu déçu. En effet, l'escadrille Saint-Michel nous avait habitués, par le passé, à nous présenter des réseaux avec des animations originales, telles des transbordements de chargement ou des ponts pivotants. Or ce réseau ne disposait d'aucune animation particulière. Il n'en demeure pas moins que le décor était particulièrement soigné. Je vous laisse admirer. Nous arrivons bientôt au terme de ce reportage consacré à la 22e édition du Salon du modélisme ferroviaire de Saint-Mandé. Tous les réseaux présentés étaient d'un grand intérêt et l'éventail des échelles proposées était varié. Trois réalisations ont toutefois retenu particulièrement mon attention. Œuvre de Charles Duquesnoy, la gare d'Aradon est un établissement typé ouest. La ville d'Aradon existe réellement puisqu'y vit la grand-mère de l'auteur. Le réalisateur s'est inspiré de la gare de Quiberon, dans le Morbihan, pour la partie bâtiment voyageurs, et du dépôt de Morlaix, dans le Finistère, pour l'annexe traction.
Le projet a débuté en 2018 et ce réseau avait fait sa première exposition à Rai Expo Dreux 2023. Vous aviez pu en voir des images dans le reportage consacré à cet événement sur le site letraindemanu.fr. Ce réseau, en voie code 75, est entièrement piloté en numérique. Il se situe à l'époque 6 vers 2006-2007. La traction diesel y règne en maître. Depuis Dreux, où elle a été primée, cette œuvre a, depuis, bénéficié de toutes ses finitions. Vraiment une très belle réalisation. Saint-Bernard-du-Grosbois est une gare fictive du Haut-Doubs, en Franche-Comté, d'où est originaire Thomas Bossonnet, auteur de cette réalisation au 1/87e. Cette œuvre a retenu l'attention pour au moins trois raisons. La première concerne le thème choisi, une gare terminus, avec les nombreuses manœuvres qu'elle implique. La seconde, la réalisation du décor, particulièrement fouillé et recelant d'innombrables scénettes de la vie rurale. Enfin, et surtout, l'implication de l'auteur dans la présentation de son réseau auprès du public. Avec les fermes comtoises, ici vous avez le tuyer qui fume, là où il y a les saucisses de Morteau qui sont en train de fumer. Et également, le méchoui qui tourne pour le repas de ce midi. Voilà. Donc là, vous allez voir après toutes les manœuvres qui se passent autour de la vapeur pour remettre le train dans le bon sens de marche. Donc vous avez le signal ici qui va passer à l'orange et les barrières vont se fermer. L'une après l'autre, comme dans la réalité, c'était le garde-barrière, fermer une barrière, traverser la voie et aller fermer l'autre. En effet, Thomas n'a pas cessé de commenter les nombreuses manœuvres nécessaires à l'arrivée d'un train. Passage par le dépôt, d'abord sur la fosse à piquer pour vider les cendres dans une fosse noyée. Puis passage par le pont tournant pour arriver sur la voie d'approvisionnement en charbon. Enfin, remplissage des soutes à eau. Si nécessaire, la locomotive est ensuite retournée pour repartir dans le bon sens de marche. Autre attraction, avec l'arrivée d'un train de marchandises et les manœuvres avec un locotracteur pour l'envoi sous la halle. Ce réseau était une véritable attraction et le public particulièrement conquis par ses commentaires didactiques. De jeunes visiteurs ont même eu droit de piloter certaines machines.
Si les réseaux en HO3 rail sont fréquents dans les expositions outre-Rhin, leur présence est exceptionnelle dans les manifestations françaises. Et Pascal Hubert, modéliste marcliniste belge, nous prouve une fois de plus que le système 3 rails n'est pas incompatible avec du modélisme ferroviaire de haute qualité. Pascal n'est pas un inconnu du public de Saint-Mandé puisqu'il avait déjà exposé une œuvre remarquable dans une précédente édition. Après nous avoir éblouis avec « La rue des Robertmont » en 2020, le voici de retour avec un nouveau module, cette fois à thématique industrielle. La pose de la voie Marcline C est tellement soignée que la plupart des visiteurs ne s'apercevaient pas qu'il s'agissait d'un réseau en trois rails. Le décor industriel est le résultat de constructions intégrales, de kitbashing et de pièces de nos commerces spécialisés, Joss Wood en particulier. Notre ami Pascal a une seconde passion, la photographie. Son regard acerbe, sa recherche permanente de l'esthétisme et son désir de mettre en valeur son environnement et les personnes qui s'y trouvent, se reflètent dans cette nouvelle création au décor harmonieux. La recherche permanente du détail, mêlée à une volonté de grande sobriété, permet à l'auteur d'obtenir un résultat équilibré fascinant. Entièrement numérique avec du matériel moteur sonorisé, ce réseau témoigne d'une grande maturité artistique. Son succès auprès des visiteurs est vraiment mérité.